Le PPACI est très remonté contre la Commission électorale indépendante et la justice ivoirienne. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire prend mal le fait que le nom de son président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Il y a une seule personne que ce régime a craint, qui n'a pas envie d'affronter à des élections. Cette personne s'appelle Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est tout. Si nous avons compris cela, le reste nous permet de comprendre même l'incompréhensible. Selon Koulibaly Kuibière, président de la CEI, les raisons de la radiation de l'ex-président qui date de 2020 sont encore valables. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Non, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qui ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Pour rappel, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO lors de la crise post-électorale.